La liste des modes est au-dessus. Mais braque. Et si t'arrives à tous les trouver, tu peux nous rejoindre, guitare. Surtout qu'on a besoin de mettre un peu de musique. Oh là là, c'était la pire blague du monde. Pardon. J'avoue, c'était nul. Le mec, il prend tout son... Rigolez, s'il vous plaît. Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour une fois, je dis pas bonsoir dans le vide, c'est trop bien. Pour une fois, il y a du monde qui m'attend. Peut-être que c'est le titre du stream qui vous a attiré. Parce que comme vous l'avez compris, on va lancer un serveur sur lequel vous allez pouvoir rejoindre. Et ce sera le serveur des viewers. Parce que là, on a Nashi qui fait une sieste, j'ai pas accès à notre serveur. Donc je vais ouvrir un tout nouveau serveur et vous allez pouvoir rejoindre. Je pense qu'on va partir sur les États-Unis. Il faudra juste qu'on regarde ensemble la liste de modes qu'on va ajouter. Donc on est parti. Prenez de quoi vous hydrater aussi, hein. C'est important. Tu es prêt pour 10 pompes? Ah non, putain, non, s'il te plaît. Non, Giblom. Ok. Alors on va commencer par les modes. Ensuite, hold, multi, pure, pause. Putain, c'est quoi la couleur qui va le mieux se voir là sur le jeu? Jaune, on oublie. Comme ça, là, ça se verra bien. Bon, c'est un peu envahissant, hein, mais bon, c'est pour votre bien. Bien, ça fait longtemps que je te regarde et j'aime beaucoup tes lives. Eh ben, merci beaucoup. C'est vraiment le genre de message qui fait plaisir. C'est très gentil. Ah, bah, il y a le Nashi qui s'est levé là. Attendez, je vais le faire venir en vocal. Je vous en prie. On va essayer de faire ça de façon intelligente. On va faire une seule ferme où tout le monde va venir. On va acheter du matériel pour faire un truc au début. Et on va pas tout dilapider dans 10 000 trucs. On va faire des prêts, hein, évidemment, mais... On va essayer de faire ça intelligemment. Les modes, la liste est... Regarde, au-dessus de moi, là. Là. Juste au-dessus, là, t'as les modes. Cool. T'es trop stylé, ta casquette. Salut, Red, ça va? Oui. T'as tête dans le cul. Oh bah tu m'étonnes que t'as tête dans le cul. T'as pris un petit café. C'est quoi les modes? Les mêmes, on n'a pas changé. C'est quoi les serveurs? Novice. Continental Europe? Non. Donc c'est quoi? USA. Quoi? Ah, USA? Comment ça, USA? Bah la mode... La map sur la qu'on a en privé. Je crois que t'as pas compris ce que je voulais dire. Ah pardon. Ah, Europe 2. Merci. Bon. Je suis un peu dispersé. Kivlum, on va pas faire d'herbe. Conseille-moi autre chose. Colza, ça va pas être trop cher d'acheter du matériel de colza? Colza ou soja? Bah c'est pareil que pour le blé. Et ben go faire du colza. Bien le colza. C'est une bonne blague, ça, Nolis. Tu as pensé à faire des montages avec tous les moments rigolos de tes blagues? Va te faire foutre. Alors patron, je ne peux pas travailler sans matériel. Vlom, je te fais confiance. Où je te donne l'habilité d'acheter du matos. Bonsoir. Oh Michotte, la... Ah vous voulez absolument faire du colza? Bah ouais. Colza ou du soja. Et du coup je vais pas refaire ma blague parce que voilà. Bon, où sont les employés? Eh ben on va acheter le champ numéro 20. Voilà. C'est bien comme ça. Le matériel était plus intéressant. Ah. Il va falloir que tu mettes à jour la liste des modes aussi. Ah, tu veux nous rejoindre, Jep? Non, il y a juste deux modes à mettre à jour, tranquille. Bah, je sais pas, vous êtes en train de jouer là, vous faites quoi? Oui, j'ai fait un serveur sur lequel les viewers vont pouvoir s'investir un petit peu et. Par contre, mon grand, tu les l'as mis en ou les esclaves? Chut. Et tu vas en faire quoi? On va récolter cette herbe là, on va stocker les ballots. Et après, on pourra planter du colza ou du soja. Pour filmer l'herbe? Ouais. Fermer un peu les thunes pendant que t'étais pas là. Oh! Caisse palette. Mais trop beau le tracteur que t'as pris! Oui, il a mis une jolie couleur. Oh, j'adore! C'est quoi comme tracteur que t'as acheté? Je vais acheter le même. On va commencer, on va faire un petit prêt déjà pour commencer. Ah? Givlum, est-ce que tu as mis un équipement particulier sur Valtra ou pas? Parce que t'as changé les pneus, j'aimerais bien avoir deux tracteurs identiques en fait. Par contre, t'as fait des zigzags là-bas, hein. Je veux pas dire, mais je trouve que c'est inacceptable. Regardez-moi ça là. Ah bravo, hein, t'as laissé de l'herbe aussi. Valtra, c'est celui-là. Pendant ce temps, Givlum il bosse. Ah putain.
Plus vite, Givlum, plus vite. Bon, au moins, il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Parce que là, on a notre Michotte, la poulette, là, qui... Oh, la luciole, s'il te plaît. Michotte la luciole, pardon. C'est qui, la poulette, déjà? Il n'y a pas de poulette. C'est quoi, le mot de passe? Le mot de passe, c'est Novice Life, tout attaché. Non, c'est Live. Live, pardon, pas Life, Live. Et avec un E à Novice? Non. Bah non. Pourquoi on met dire d'un E? Mais parce que c'est ton avis. Non, c'est pas moi, c'est Gimlum. Ah, il est pas mal comme ça. En vrai, c'est dégueulasse. Acheter. Oui. Ok. Ah, comme il est beau. Oh, mais t'as payé ça combien? Pas cher. Pas 176 000 quoi. Non, mais c'est pas cher. Mais tu es malade. Mais tu es malade. Thune, tu dépenses tout dans un Valtra nul. Mais c'est bon, on a Givlum. Mais de toute façon, on va faire des prêts en masse là. On a plein de gens pour travailler, donc on va faire plein de choses. Novice, en fait, c'est un putain de chef d'entreprise. Jamais tu le verras à la ferme avec des bottes et tout. Le mec, il est dans un bureau et il fume des Attends, cigares. Attends, je veux profiter de mon tracteur. Pour leur dire, allez faire le champ là. Putain, il y a trop de monde qui rejoint. Rejoignez la ferme, n'en créez pas une nouvelle. Important. C'est trop risqué, tu vois. Il faut s'arrêter H24. Ouais, voilà, c'est ça. Mais dans l'absolu, c'était une bonne idée. Mais là, vu qu'on veut pouvoir les charger automatiquement, on va pas s'embêter. On en a une. Et la chargeuse, c'est celle-ci que je peux louer aussi. Je vais récupérer le tracteur noir. Ouais, ok. Merci, Charles. Charles, si tu... Là, si t'as rien à faire, tu peux prendre un contrat pour remplir le contrat. Tu peux faire ça si tu veux. Ah, mais avec tout l'argent de Givlum, il s'est payé un tracteur genre de carbone là. mais moi, il est custom et il est chromé mon tracteur. Oui, tu empruntes les véhicules, ouais. Et surtout, rail-les. C'est le plus important. Rail-les bien, ouais. Ouais, c'est ça qui est important, effectivement. Bon, achetez-moi un pick-up là, je vais m'occuper de ramener les bottes. Achète-toi une voiture, de toute façon on fait des prêts, on va avoir plein de crédits à rembourser. Peux... Mais... Bah attends, je vais acheter de quoi les charger dans ta voiture, Flo. Les viveurs qui bossent et les autres qui dépensent l'argent. je suis en train de bosser, hein, je te ferai dire. Mais Nashi, mais t'es sérieux d'avoir acheté cette merde, ça sert à rien. Et si, c'est pour charger. Ah putain, mais y'a une chargeuse exprès. Par contre, mais qu'est-ce que t'as acheté, Red? Mais je vous ai demandé, tu m'as dit ouais, achète. Mais non, déjà vu des mais non, j'ai acheté une remorque exprès pour chargement automatique. T'es sérieux? Mais oui, elle est sur le parking. Putain, mais fallait me dire. Ça sert à rien. Un chariot électrique. Putain, mais y'a pas putain. De. Bon, bah, Guillaume, désolé, tu vas devoir rembourser le chariot. Je comprends mieux pourquoi je préfère jouer en solo. Va chercher Charles, Red. Mais vous m'emmerdez. Mais en plus que l'ai pas, c'est pas pratique après pour passer avec la remorque. Ah, tu m'emmerdes avec ta remorque. Bon bah je vais revendre la merde. Kiblum il arrive, il me donne un coup. Ah mais j'allais la soulever ta merde là, viens là. Vas-y, combat de tracteur là. Ah. Voilà. Je vais t'empaqueter. Ah mais il a... Ah là, t'es en prison. Oh, ça y est, c'est n'importe quoi. Ça fait pas une demi-heure qu'on joue, c'est déjà n'importe quoi. Deux qui bossent et trois qui détruisent le budget. C'est quoi un C'est exactement ça, t'as tout compris. Je suis engueulé parce que j'ai acheté un truc à 30 000 et toi par contre ton tracteur tuning à 150 000, pas de problème. 170 000. Hein. Vite, il y a deux vis, vite, il faut arriver en haut de la tour, vite. Je vais réussir. Lui, s'il passe pas l'étape de l'échelle, dépêchez-vous les gars. Il galère. Non, je galère pas, j'y suis. Il galère de ouf, il galère. Non, j'y étais. Il arrive pas à monter, il est cagneux. Attends, comment vous faites? C'est le skill à l'état pur. Si tu veux tes 50 points de succès, il faut monter Noïs. Comment on fait pour monter plus haut? Ta gueule, le chien. Il est où? Ah, oh putain. Du coup, give l'hum, Soja, ouais, je pense. Oh, oh, vous avez jamais été aussi haut. Oh, 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 non. Oh. Il y a le gros. J'y suis. Ça va aller. Allez. C'est une super technique pour pouvoir lui piquer son tracteur. Merci Flo. Putain. Quel tracteur? Le mien. Regarde, ils sont en train de partir avec là. Bien joué. Go leur vendre, on va se faire un max de pognon. Je jure, j'ai sauté par au-dessus. Bon, je laisse tomber. Je vais commencer à planter. Colza ou Soja? Colza, on peut récolter les deux à la moissonneuse batteuse, hein, rassurez-moi. Oui.
Et bah moi je vais acheter ça, voilà. Non, le colza faut le faire à la main. Ouais, dans les champs. Bah, c'est pour ça qu'on c'est pour ça qu'on a fait venir des viewers, hein. C'est pour récolter le colza à la main. Hein. Du coup, faut que je fasse un prêt. Encore. Plus d'engrais, comment je fais? Ah, il faut en racheter. En plus, je me fais engueuler dès que j'achète un Manitou qui est genre trop utile à l'aide de la communauté. Mais pas du tout, il a servi à rien pour Manitou. C'est quoi ces coups de freeze? Je viens d'acheter un véhicule. Ah putain, j'ai plus la thune. Allez, je me casse. Attends, non, il te faut la barre de coupe, au moins. Elle est où la barre? Bah, je l'ai pas acheté parce que j'ai pas la thune. Achète, s'il te plaît. Attends. Fais un emprunt sur 5 générations. Bah là, c'est en cours, là. On a un emprunt de 700... On est à moins 792 000 en thune. Ça va. Novice, tu me sors ta barre latérale de sécurité de BMX là? Non, dans l'autre sens. T'es sûr? Ah non, oui, non, t'es dans le bon sens, mais t'es pas au centre là. Ok, faut aller où avec ça? Dans notre champ. Mais il va falloir attendre que ça pousse, hein, donc. Peut-être pouvoir prendre des contrats de récolte par contre. Givlam, comment tu fais pour tirer des traits aussi droits là? Je suis impressionné. Ça, c'est des années de VR dans son jardin, ça. Non, mais ça, c'est 12 000 heures. Le talent. Et c'est normal les grosses traces de pneus là sur le... Chut, fais pas attention. Il est immaniable ton truc, c'est horrible. Mon tracteur? Ah ouais. Mais c'est toi qui es immaniable, vas-y moi je le fais. Mais t'es où Jep? Je te trouve pas. Lui là. Viens là toi. Un tracteur contre une moissonneuse batteuse, qu'est-ce qu'il gagne? Mais d'où? Mais je fais 15 000 tonnes s'il te plaît. Voilà, non, je peux faire ça. Non. On lui tourne les pneus. Bah moi je te monte dessus. Attends, viens, si on fait s'accoupler mon tracteur avec ta moissonneuse batteuse, ça donne quoi? Voyez le soin avec lequel les animaux choisissent les partenaires les plus dignes de transmettre leurs gènes et toutes les stratégies inventées par la nature pour favoriser la reproduction. Ça donnera des... Tu sais, les tracteurs tondeuses à gazon. Ça donnera ça. Tu ne pourras pas faire demi-tour. Vive l'homme. Protège-moi. Non mec, c'est labouré. C'est planté, rien, c'est planté. Mais si, t'es en train de défoncer toutes les... Non, non, ça fait rien. Ça fait rien. Eh ça oui, fait... t'as un mytho, Novice. Tant que c'est pas poussé, ça fera un gamin. Tu t'es bien dit, on se met en mode bof quand on a commencé les épisodes sur ce jeu. Hein. Donc, tu vas te calmer tout de suite. De toute façon, on est paysan, même. On peut que être... Non, pardon, c'est insultant vers Guible. Tu vas kiffer ce moment quand tu vas dérush cet épisode. Bon, qu'est-ce qu'il nous fait, là, Charles? Il est embêté un petit peu. Regardez-le là, regardez-le fuir avec son tracteur. Reviens. Non mais j'ai pas fait exprès, Giblum, j'ai fait une fausse manie. Le mec insupportable. Non. Bon Charles, je te laisse terminer ton épandage là qu'on puisse faire une autre mission après. En tout cas, j'ai le plaisir de voir que ça avance bien. Bravo, félicitations. Tu auras une prime. Te donnera, ton salaire sera doublé. Ouais, quand ton bon salaire là, actuel sera 0 doublé. 0 x 2, ça fera toujours 0. Quelqu'un sait ce que c'est le plafond de... De ta carte bleue? T'es où? Je regarde sur la carte, je suis juste à côté. Le plafond des emprunts dans le jeu. Parce qu'on emprunte comme des bâtards depuis tout à l'heure. Tu empruntes, nous on aura point ce pouvoir et nous prendrons point cette responsabilité. Ouais, exactement. On va peut-être acheter une ou deux remorques. Jeb, tu peux aller sur le champ numéro 5. Au champ numéro 5, ça marche. Mais faut que j'y aille avec mon truc de merde ou sans le machin de merde? Non, vas-y avec ta batteuse. Il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la deuxième batteuse. La coupe. On a un camion plus une benne et moi je vais acheter des remorques pour le tracteur. Attends, comme ça, il pourra y avoir 4 personnes sur le champ, sur la mission, et quelqu'un pourra s'occuper du champ actuel. Il va y avoir 2 batteuses, il va y avoir 2 camions. Donc 4. Et une personne qui va s'occuper de notre champ à nous. C'est pour aller plus vite. Il fait quelle taille le champ numéro 5? Champ numéro 5. Ah, il est assez long quand même, hein, donc on sera pas trop de deux. Hein. J'ai loué le matériel de toute façon, donc... De toute façon, les remorques, on en a toujours besoin. Donc je vais les acheter, ça coûte pas cher. Hop. Et voilà. Là, t'es content, là? T'es fier de ta bêtise, là? Franchement, c'est pas mal. Bah ouais, c'est propre. Charles, au secours, il me prend contre le poteau. Ah. Ah oui, voilà. Non. Voilà.
Quoi? A few moments later. Mais attendez, mais elle est plus grande cette barre de battage. Par contre, Charles, on n'en laisse aucune miette. Hein. Vous avez pas pigé la stratégie? Normalement, il y a un tracteur pour aller avec la batteuse jaune et un camion pour aller avec la batteuse blanche là. Fais voir ta puce. Et toi, tu sers à quoi, Anubis? Oh, regarde, putain. Tu sers à rien, elle est même pas bougée là. Ok. Ah oui, c'est. Oui, ok. Poussez-vous. Allez, mais non combats, de toute façon, il n'y a pas moyen de rester sérieux sur ce jeu. Non, attends. Dovis, tu sers à rien avec ton tracteur. Mais bien sûr, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse là? Mais vous faites nimp, dit le mec qui est en train de défoncer le champ en faisant du code dedans. Mais je défonce pas le champ, c'est pas le nôtre, de toute façon, on paye pas. Excuse-moi, Charles, je ne fais que passer. Je suis désolé. Non, non, non. Attendez, freinez. Ah, c'est dommage, hein. Comme c'est dommage. T'as encore la liste sur ton Twitch? Alors, il faut Lisa. Putain, c'est de mauvaise qualité, on n'arrive pas à voir. C'est la BSX250. MDR, moi, IRL, jamais je leur fais confiance. Je leur confie mes champs. Mais on t'a déjà dit, on est des professionnels. On sait ce qu'on fait. Là. Tiens, je te rends ton camion. Contrôle B là-dedans, ça fait quoi? What? Oh! Oh! C'est un jouissement que nous venons d'entendre. Ah mais si, je peux très bien conduire en arrière. Regardez. Novi, sinon tu veux pas te rendre utile, s'il te plaît. Moi je m'amuse là dans mon tracteur. Franchement, on est bien là. J'attends que tu te remplisses un peu plus. Putain, c'est trop la classe ce tracteur. Je suis limité sur le plan technique. Pour l'instant, pas de budget pour un nouveau PC. Mais c'est prévu cette année. Ouh. Prendre classe. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Technique du Cobra. Mais t'es un enculé, je t'ai même pas venu arriver. Cobra. J'ai pas assez de points pour renommer un objet car ton tracteur, aïe aïe aïe. Comment ça, qu'est-ce qu'il y a mon tracteur? On a pas de quoi acheter de la visite. Mais connard! Ma bite. Tu te crois drôle? Putain! J'arrive Charles, je fais ce que je peux là. J'arrive Charles, je suis en route. Donc ça coûte 30 000 T'en es où Charles en termes de remplissage? 10. 10 quoi? 6%? Ah ouais, 6% peut-être, ouais. C'est logique. Putain, vous avez oublié des grandes. Prenez vos fourches. Attends, hop. En plus, il m'empêche de bosser. Je t'empêche pas de bosser, t'as vu ce que t'as fait? Et qui c'est qui a fait une bite dans le champ là, Charles? Non, pas le bout. Ah bah je te remplis. Le petit serpent. Dégage. Bon, Jeff, viens me vider là. Non, en fait, y a pas besoin. Sérieux? Ouais. Quoi? hop, ça dégage. Non, je t'en mets de droit, t'inquiète. Enfin, où tu vas là? Qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui t'en mets de droit, je te dis. Attends, est-ce que t'arrives à couper comme ça? Si c'est moi qui te pousse. Salut, Vivi Play. Oh oui! Oh oui, le cheat! Je laboure à 23 km/h! Oh yes! Ça marche trop bien! Regardez la technique là! Ça, vous connaissez cette technique là? On appelle ça le speed ramassage. Ou le speed fauchage. En montée, là, on laboure à 14 km. Oh, on fauche à 14 km/h. C'est vrai qu'on est un peu en montée. On est de ouf en montée. Red, mets-toi derrière et pousse avec tes bras là. Comme ça. Et pousse avec tes bras là, Red. Putain, ça sert à rien. C'est pas grave. Moi je suis sûr qu'en carburant vous soyez gagnant.
Mais bien sûr qu'on est gagné en carburant aussi. Oh putain, ça va vite là. Je suis à 34 km. Charles, t'es sur le passage. Pousse-toi, Charles. Ah, attention. J'imagine les voisins qui verraient ça dans leur fenêtre, ce bordel dans les champs. T'imagines en vrai? Il est en plein sur mon passage. Non, ça marchera pas, Guy Blanc. Oh putain! Non, arrête-toi, faut qu'on se mette en place. Mais pourquoi faire? Mais regarde. Parce qu'ils vont me pousser sur le côté et moi je vais arriver dans ton cul comme ça, dans les trains de biais. Technique de Sioux. Je suis en place. Allez, go, 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 avancez là. Oh oui. Attendez. Sur les côtés là. On dirait qu'on le tient dessous, par-dessous les bras, tu sais. Comment c'est éloigné en fleurs. On accélère à fond là, j'arrive. Voilà, comme ça. Voilà. Oh, putain. Non mais oui, mais forcément. Le colza avec le pire bilan carbone du monde. Mais pas du tout, t'y connais rien. Attendez, je fais une... Ah ouais. Le titre ultime. What? C'était bien tenté. Attends, faut que je me vide. Mais putain. Non mais rien, ouais ça. Merci de te proposer du bon contenu. Eh ben, je te remercie, il y a plusieurs personnes qui me disent ça, mais du bon contenu, en fait, on fait nimp aussi, forcément. Mais regarde, voilà, ça c'est du bon contenu, ça. Jep, je te vois là-bas au loin prendre de l'élan, là-bas. Regardez-le, regardez-le. Mon gars, jamais ça part droit, vise bien. Il y a un problème, là. Putain, mais... Interception de Givlum qui a joué son rôle de gardien à la perfection. Et le champ, il a pris une claque, hein, n'empêche. Hein. Regardez. Ouh, l'esquive. Je t'ai esquivé, mon gars. Pas dans ce sens. Oh, mais regarde. Il a pas compris. Vas-y. Et tu bloques. Regardez les deux. Ça n'a plus de... Ah, j'en peux plus, putain. Mais c'est quoi ça? Je me vide en plus. Regardez. D'ailleurs, on va peut-être avoir un peu de bénéf là sur cette. Mais c'est pas intéressant de tout vider ici, c'est moins cher. Et bah, vider juste le strict nécessaire pour finir la quête. Et le reste, on l'ira le vendre là où les prix sont vraiment intéressants. On rentre à la maison, Charles. Venez au champ 16, on va essayer de bloquer le train. C'est qui est à la traîne là? Tout le monde sur la ligne de chemin de fer. Il passe dans quel sens? À droite? Il roule sur la droite ou pas? Ah, il va baisser là. Givlum, viens vite. Ah! J'ai compris ce que vous vouliez faire. Ah oui, alors dépêchez-vous avant qu'il revienne. Mais recule le Jep, tu fais quoi? Mais je peux pas, je suis à fond, j'ai la barre en casse bloquée dans les rails. Je sais. Jep. Quoi? Je baisse non. Ça, tu me montes dessus et je le lève. Attends. Ouais, moi c'est à plus de 4 autour. Farming simulator dans le sens. Dans l'autre sens, Charles, en fait. C'était par là où on est. Mais c'est... Il va se pointer, c'est... il est là. Mettez-vous, vite, allez-y. Dragon Ball. Échec, ah, j'en peux plus! Voilà, attention. Attendez. Y'a des soucis là. Putain, elle est puissante. Flo, tu te sens d'enlever la. Je peux pas la choper. Ah putain, est-ce que tu la prends de côté? Y'a le train de l'autre côté qui va finir par arriver, non? Non, y'en a qu'un de train. Non, y'en a qu'un seul. Heureusement qu'on paye pas les réparations. Hein. Bon, attends, on me pousse pas tout de suite, mais... Là, c'est bon, là, physiquement. Regarde. Bon. Là, c'est pas mal. Mais il arrive dans l'autre sens, Jep, en fait. Il faut tous qu'on se mette devant. De... Mais si, il faut... Il faut tous qu'on se mette de ce côté... Il faut tous qu'on se mette de ce côté de... Attends, faut que je fasse quoi, moi? Juste plaque le camion. Côté cabine. Côté ah ouais, mais moi, j'ai pas cette puissance. Hein. Ah ouais, je vais prendre ma barre. Vas-y, recule, il est pas là, le... Il va arriver, hein. Mais non.
Il est là. Il est là. Il est là. Gros plaque, gros plaque, gros plaque, gros plaque. Ah, c'est pour ça qu'il disait je préviens, parce qu'on voit pas forcément. Hop, j'arrive, j'arrive. Allez, moment de vérité, les gars. C'est bien. Il s'arrête. Oh. Il est même en trop 4360. Il s'arrête. Putain! Oh le bordel! Bon bah voilà, allez, on peut aller rendre le grain maintenant, c'était vraiment une belle mission. On a volé comme des plumes! Claude, tu peux vendre Putain. Les 5% qui restent pour finir la quête et puis on peut aller vendre au plus offrant. Le plus offrant c'est. Le plus offrant. On a récolté quoi? Du colza? C'est ça? Ouais, c'est resto. Au resto? Flo, en gros, tu spams I. Pour que tu déverses petit à petit. 99. Il va pas nous rester grand chose, hein. Attends. Putain, t'as trop bon. Bah si, ça va quand même. Et là, maintenant, au resto. Non, qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est pas moi. Qui a fait la seule chose qu'il fallait pas faire? On a perdu tout l'excédent. Oh, il restait combien dans le camion? La moitié de la remorque. Oh non, la moitié de la remorque! J'ai passé 27 heures à faire cette vidéo. Alors laisse un like et abonne-toi. Allez, des bisous. Ciao, ciao.